Okay. From here on, nothing goes down unless I'm involved. No blackjack, no dope deals, no nothing. A nickel bag gets sold in the park. I want in. You guys got fat while everybody starved on the street. It's my turn. Hmm. You think you're gonna live long enough to spend that money, you fucking hump? Saison 14, épisode 2, cette semaine émission Règlement de compte, baroque et romantisme. Retournons dans les villes-monde, c'est le mot qui nous vient pour peindre le patchwork de Hong Kong et New York, d'aube d'or au rouge au crépuscule, et puis la nuit et son brasier de blocs, et maintenant que notre voix soit douce. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, nous allons parler de deux films en ressortie DVD et Blu-ray, voire même en 4K pour le premier d'entre eux. Donc c'est The King of New York, film de 1990 de Abel Ferrara qui ressort chez Carlotta. Puis nous parlerons de My Heart is This Eternal Rose de Patrick Tam, donc film de 1989 édité chez Spectrum Film. Et pour de ce jeu programme autour de cette table, il y a la fine fleur de la critique du Grand Ouest qui, donc, n'était pas là la semaine dernière car ils font leur rentrée, les deux Pitchoun. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Flore. Bonsoir Thibault. Salut Thomas, salut à tous. De retour de vacances en Italie et dans la Drôme, il y a Justine. Bonsoir Justine. Salut Thomas et bonsoir à tous. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir qui est tout content, tout heureux, car il a une belle nouvelle console qui fait des lumières. On a l'impression d'être dans un film américain de science-fiction. Ou dans un film de Refn. Oui, voilà aussi, ça fait des néons, effectivement. La série, pas dans de Dune de Denis Villeneuve Non, apparemment, non. Ah non, il n'y a pas de bouton de couleur dans Dune de Denis Villeneuve. Dune de Denis Villeneuve, dont il ne sera pas question ce soir. Hein. Moi je les... Ni jamais. Ni jamais, je pense. Hein. Je l'ai subi la semaine dernière. Hein. C'est suffisamment pénible comme ça. Mais, néanmoins, désolé de leur faire euh, de la pub, car ce sont des gens, des sapajous médiocres et désagréables. Donc, euh, nos camarades euh, du cinéma est mort. On parleront dans leur émission de cette semaine avec euh, un paquet d'invités euh, moi malheureusement je n'ai pu venir que à la deuxième heure mais donc il y a Mad du podcast Vanishing Point il y a notre camarade Melvin et un invité surprise et pas des moindres que je vous laisse découvrir donc pour la diffusion samedi prochain et sur le et sur les internets dans la foulée internet qui désormais est sur ordinateur je vous le rappelle donc voilà donc d'une du, ne sera pas question parce que nous on parle de cinéma dans cette euh, émission hein. Et donc avant de passer justement au cinéma et à la section critique de cette émission, les agendas. Agenda national pour commencer pour Thibaut car je sais qu'il est romantique et qu'en même temps il a un cœur. Il a le nouveau film de François Ozon, tout s'est bien passé avec Sophie Marceau qui a un pull trop grand et qui est mal coiffée et André Dussollier qui fait un AVC et qui veut aller mourir en Suisse. Ok. Voilà. Pourquoi pas hein. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire avec Ozon. Ah bah, moi j'ai arrêté après huit femmes. Qui est le seul que j'ai vu Je me suis dit non plus jamais. Et, et pourtant j'étais jeune. Hein, je, je me suis dit non. Les films de Grand luche et de Jean Pénible non. Voilà. Peut-être que non. Après peut-être peut que je manque des choses, mais je ne suis pas sûr. Hein, comment faire confiance à un mec qui tourne aussi souvent avec Romain Duris Sinon demain il y a un film d'animation français adapté d'un manga japonais dont je ne sais pas l'auteur car je ne l'ai pas noté qui s'appelle Le sommet des dieux et qui a l'air plutôt chouette. Ça passe normalement à l'art fort. Sinon, il y a le nouveau film de ce tocard de Tom McCarthy, donc, qui avait fait euh, Station Agent et Spotlight, donc, qui s'appelle Stillwater, le film avec Matt Damon, qui a un bouquet, une casquette, et qui va à Marseille avec Camille Cotin pour sauver la fille de Matt Damon. Voilà, je l'ai vu, hein, c'est pas. Ah, ok. C'était pas... pas mal Spotlight oui, c'est un bon film de démocrate, quoi. Ouais, mais oui, voilà. voilà bon. Matt Damon à Marseille, c'est le seul truc un peu intriguant et il porte un bouc de syndicaliste, mais bon, que voulez-vous faire Voilà, un vrai américain. Euh, sinon, il y a le nouveau documentaire de Gianfranco Rossi donc, qui s'appelle Le Noturno, qui se passe tout là-bas dans ces pays obscurs où il y a de la violence au Moyen-Orient, en Syrie, je crois d'ailleurs, qui se déroule celui -là. Enfin, c'est au Kurdistan entre la Syrie et ce voilà, genre de pataquès dont Thibaut pourra mieux vous parler que moi car c'est son travail d'être géographe. Oui, euh, bon. Sinon, il y a un film. Oui, mais euh, pourquoi pas Oui, voilà, pourquoi pas. Sinon, il y a un film brésilien de Caro Alves de Souza que j'ai vu qui est super qui s'appelle Je m'appelle Bagdad donc qui sort aussi demain, j'espère, à Rennes car c'est un très très beau film. Euh, sinon, il y a un film de Giovanni Alois dont on parlera peut-être la semaine prochaine mais pas avec vous car vous ne serez pas là mais le docteur et roi normalement sera de retour. Donc c'est un film qui s'appelle La Troisième Guerre qui est à Cannes, je crois, cette année, et qui est précédé d'un excellent bouche-oreille, comme on dit. Euh, sinon, il y a la ressortie aussi, on en parlera la semaine prochaine pour le coup, donc du film, du chef-d'œuvre de Alex de Iglesias, son troisième film, si je ne m'abuse, Perdita Durango, son premier film semi-américain, on va dire, avec Javier Bardem, qui a peut-être la coiffure la plus improbable de toute sa carrière, et Dieu sait qu'il en a eu. <laughs> là, mais là, c'est tout. Là, c'est la coupe de cheveux, la moustache, le vaudou, les Mexicains et tout, euh, qui est une fausse suite de Sailor et Lula, mais en mieux c'est merveilleux ça. Allez, un merveilleux film et sinon pour euh, Thibaut et moi car nous on est des lads nous on est des vrais nous on est des gars de la street donc euh, ressort demain et notamment donc, il passe jeudi au à Rennes le concert de Oasis à Newport en 1996 donc moi je vais aller le, le voir au cinéma j'espère que le son sera très très fort concert mythique d'Oasis oui. en 1996 où ils étaient un peu au top à, à leur apogée après leurs merveilleux deux premiers albums donc où ils ont joué devant 250 000 personnes sur deux jours donc un concert mythique un concert absolument formidable le concert qui inaugure euh, le film le documentaire supersonique qui était formidable dont on avait parlé qui était très oui. bien donc, vraiment un, un des concerts de légende le plus grand groupe de rock anglais des 40 dernières années de toute façon on peut le dire oui oui. oui, voilà. On peut le dire sans coup faire. Donc voilà, ça va être très bien de revoir les frères pétards du rock'n'roll faire du gros onceux sur grand écran et de voir Liam qui refait le kéké. Liam à qui nous souhaitons d'ailleurs aujourd'hui un anniversaire. Donc un bon anniversaire à Liam et bon rétablissement car il s'est pété le nez le week-end dernier en tombant de son hélicoptère. Ça arrive à tout le monde. Oui. Voilà. Bref, The Show Must Gone, sacré Liam. Heureusement qu'il est là quand même hein, pour nous amuser un peu. Euh, sinon, euh, agenda local euh, au ciné Tambour, euh, donc euh, demain soirée, deux salles, deux ambiances, on peut le dire, hein, puisqu'à 18h, il y a le chef-d'œuvre de John McTiernan Predator, film de 1887. Pas mal. Pas mal. Voilà, si vous aimez la jungle, et à 20h30, euh, autre film de jungle, en tout cas, on verra du vert, donc c'est la mort d'Empédocle euh, du couple Strobuyet il va sans dire, dire que c'est pas la même ambiance. Hein, mais voilà, je ne suis pas, pas un grand laudateur des strobilies, mais bon, en tout cas, si vous aimez la diversité du cinéma, exactement si le vous grand aimez... c'est hein. oui. le grand écart. Oui. voilà, si vous aimez vandame, donc euh, voilà, oui. vous pouvez aller à, à cette soirée euh, au tambour demain. Euh, sinon, à l'arbre, là, c'est une spéciale euh, pour thibaut, car c'est son film d'amour dans le cadre des rendez-vous de clair-obscur qui recommence donc jeudi prochain. en même temps, qu'Oasis c'est vraiment une soirée pour toi. c'est Oasis oui. et donc easy rider de denis hopper qui passe au cinéma à et qui sera présenté. Enfin, le film sera accompagné par Bernard Benoliel, oui, bah. voilà, qui avait écrit un livre sur le Road Movie avec euh, J.B. Torrey euh, il y a quelques années. C'était un grand spécialiste du film, on va dire. Alors, Easy Rider, Thibaut. C'est mon <laughs> film préféré. Oui. Voilà. On fera l'émission un jour peut-être dessus. Tiens cette... Sur Easy Rider. Mm -hmm. oh, j'ai écrit une partie de mon mémoire sur Easy Rider. Bah voilà, tu pourras le lire à l'antenne comme, <laughs> <que c 'est... rire> comme ça. Comme Pe ça. Peut-être qu'il est un peu vieux. Ah comme ça le travail fait. Ouais, oui bah le film est un peu vieux, oui. Et... Mmh. Il, a... Non, il a. 52 ans. Mais... <laughs> donc euh, voilà, c'est tout ce que j'ai de je crois on en reparlera aussi sinon à partir euh, du 1er enfin le week-end du 1er octobre à la Parcheminerie euh, il y a un festival sur le cinéma euh, documentaire euh, chinois qui s'appelle tout simplement Made in China en partenariat entre Contour du Doc et l'Institut Confucius euh, de Bretagne donc je reviendrai je pense la semaine prochaine mais il y a euh, un peu moins d'une dizaine de films qui sont projetés donc à la pêche-chaminerie sur la on va dire la production on va dire, assez récente du cinéma euh, chinois notamment ça. en termes documentaires ça peut être intéressant très intéressant oui c'est toujours euh, leur programmation sont vraiment oui, toujours vraiment euh, chouette qualitative. et il oui. y a également le festival cour m'étrange oui oui c'est vrai on en parlait la semaine dernière qui commence euh, la semaine prochaine euh, c'est si... ça tout si C'est mardi je crois. Mardi oui, prochain. Exactement, tain. mardi. Donc ce sera pendant une semaine. Voilà, je ne sais pas d'autres informations. Vous avez d'autres choses à dire, messieurs, dames. Tout est clair. Tout est clair, bien, merci, nous allons passer donc à la section critique de cette euh, émission, et donc on va quitter les terres euh, tristes et pluvieuses, enfin pas aujourd'hui, de Rain City pour aller vers euh, New York, la ville que chantaient Nougaro et Téléphone, et donc on va, rencontrer, on va rencontrer le roi avec une chanson qui a à voir, mais pas avec Nougaro, mais avec New York quand même. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Silla et donc c'était Fun Loving Criminals avec la chanson King of New York et du roi de New York. C'est fort à propos car il va en être question dès à présent à l'occasion de la ressortie en DVD Blu-ray 4K Combo Ultra euh, Combo 4K Ultra HD plus Blu-ray, donc euh, de Carlotta du film de Abel Farah de 1990, King of New York. Qui donc est accompagné de quelques bonus, certains pas tous récents, je crois, mais il y a notamment une interview de, ce bon, de cette bonne vieille baderne de Abel par sa copine Nicole Brenez et d'un entretien avec le producteur du film qui revient sur tout le merdier un petit peu que c'était, car on sait que bosser avec Abel Farah, c'est rarement facile. Donc, King of New York, son film 2190, qui est un peu un moment charnière, on va dire, dans sa carrière, après ses. Premier film dans les années 80, l'horriblissime, euh, nul à chier, Driller Killer, par exemple, un euh, film de, de tueur en série à la perceuse euh, qui est interprété par Abel Ferrara lui-même, plus euh, quelques on va dire, tests euh, et semi-échecs, on va dire en tout cas en termes, en termes de production et en termes de remontage. Il y avait son, son China Girl en 89, il y avait, Très beau. Il y avait son uh, Cat Chaser euh, d'après Elmore Leonard, euh, qui promettait beaucoup et qui est quand même sacrément euh, nul à chier. D'autant euh, que moi ça m'a fait un Petit choc car j'ai vu pour la première fois, alors qu'il était déjà vieux et bedonnant, Thomas Millian à poil en full frontal. J'étais pas prêt, et ça, quand on fasse ça à mes idoles, ça m'a fait un peu mal au cul quand même. Mais donc, dans les années 80, Abel Farah tourne aussi pas mal à la télé, avec celui qui sera plus ou moins, en tout cas, si ce n'est son mentor, en tout cas quelqu'un qui lui sera d'une très grande aide, qui est Michael Mann, qui lui met le pied à l'étrier dans deux de ses séries. Dans Miami Vice, il réalise deux épisodes de la première saison, et après dans les flic de Chicago, enfin, c'est Crime Story, l'excellente série euh, avec Denis Farina, donc, où Abel Farah réalise notamment l'épisode pilote. Et on retrouve un petit peu justement, de, je trouve, de cette influence euh, Michael-Mannienne dans certains thèmes et motifs du scénario et aussi dans certains motifs euh, visuels. Donc euh, dans King of New York, le film qui va nous intéresser dès à présent, et de quoi que ça cause, King of New York, finalement, trame, euh, il y a une trame assez classique, un truand euh, sort de prison, interprété par... Euh, Interprété par Christopher Walken, il sort de tôle après 5 ans, il retrouve la bande de Marlou avec qui il traînait. Donc lui, il est blanc, mais ses camarades de... de jeu sont des noirs, notamment un jeune chef un peu, on va dire, un peu dispersé, interprété ou caboutini plutôt par. Laurence Fishburne, et donc là ils vont se mettre en tête de récupérer leur territoire qui ont été occupés par un sacré paquet de sapajoux, notamment les colombiens et nos amis italo-américains, toujours de la partie. Donc là il va renouer avec d'anciennes maîtresses, avec d'anciennes connaissances, et évidemment ça va partir en se c'est le principe. Donc voilà notre trame assez classique, on en parlait un peu avant l'émission avec Thibaut qui nous a fait penser aussi à un film qui est sorti un an après, le film de Brian de Palma qui s'appelle L'Impasse, un des meilleurs chefs-d'œuvre de Brian de Palma. Et effectivement il y avait à la fois la, dire, la même entame d'histoire et euh, un certain côté euh, assez similaire dans un, une ambiance assez mélancolique et des films qui paraissent aussi... Euh Anachroniques à leur époque, donc ce sont deux films du début des années 90, mais qui pourtant penchent assez clairement dans leur traitement visuel, on va dire dans leur, leur traitement des personnages et de leurs émotions, on va dire vers quand même quelque chose des années 80, fin de la fin des, des années 70 et du début des années 80, avec un, un, un des films et notamment The King of New York qui serait presque comme des constats d'échec. Thibaut. Oui, alors c'est difficile de parler de King of New York de, de Ferrara. C'est mon Ferrara préféré, euh, même si j'ai beaucoup d'affection pour China Girl, qui Mais reste un souvenir, est qu un euh... Je précise que de manière générale, j'ai énormément de réserves euh, sur Ferrara lui-même oui. et sur son cinéma de manière générale. Sans parler de ces derniers films des années 2010, mais même des trucs des années 90 et de certaines choses des années 80, j'ai toujours trouvé le garçon beaucoup trop foutrac, beaucoup trop dispersé. beaucoup trop dispersé. Et la drogue n'est pas la seule raison euh, à cet état de fait. Mais euh, je trouve qu'au début des années 90, euh, quand il enquit euh, justement euh, ces films-là à King of New York, avec Belle Nant et un peu plus tard en 96 avec Nos Funérailles, je trouve que c'est dans cette veine-là qu'il est le meilleur. Mais en fait... Par où commencer devant un film d'une telle ampleur, d'une telle beauté, d'une telle tristesse le... Moi, il me semble que ce côté anachronique, c'est un... Alors, à... au, au revisionnage, ça faisait un... quelques temps que je ne l'avais pas... pas revu. Le... C'est la première chose qui m'a frappé à l'esprit, en fait. Vu la thématique euh... qui... que Ferrara travaille, c'est-à-dire... Le... C'est même pas la fin d'un monde, hein, c'est le chaos du monde film littéralement film qu'il a coécrit avec celui qui était le principal co-scénariste de tous ces films jusqu'en 96 qui est Nicolas, Nicolas Sangen avec un scénario extrêmement ciselé des lignes de dialogue très à propos mais tu as l'impression vraiment qu'on est dans du cinéma américain des années, euh, des années 70 dans le, dans cet aspect fin du monde. Alors après il y a les années 80 en effet, bon on va par on, on peut parler des costumes qui sont taillés de manière très aléatoire le clinquant de l'image par mais il y a le clinquant de l'image, les jeux sur les néons sont, sont, sont très intéressants en effet, on peut retrouver un travail manien euh, à, à ce niveau-là mais ce Côté anachronique, enfin reste quand même assez fascinant. Le pourquoi sortir un tel film en, en 1990 Est-ce que Ferrara, euh, a, après le chaos de, civilisa de civilisation des années 70, en fait fait euh, et puis ces années 80 qui, euh, qui mettent en exergue euh, le retour de, de l'Amérique Est-ce qu'il signe pas un petit peu aussi la fin de, de cette Amérique réganienne en livrant un, un métrage moi, je trouve absolument bouleversant parce que je trouve qu'il est, il est euh, extrêmement bien écrit. Nicolas saint John, qui n'a pas réalisé, qui a pas peu écrit, en fait. Il, à part pour il a peu écrit. Je trouve que c'est un scénariste extrêmement talentueux. Cette scène finale qui est très très belle euh, et en même temps très douce, et en même temps d'une telle noirceur. Le film, en fait, ne ressemble finalement pas à grand chose de ce que pouvaient proposer les années 90, si ce n'est peut-être euh, House of Pain, qu'on entend. Mais c'est vrai que même, Mais euh... Euh, le polar, euh, en tout cas, le thriller. Qui sera le truc majoritaire dans le cinéma américain, on va dire, sous la forme de Polar, dans les années 90, ça va totalement vers un truc différent. C'est plus du tout euh, des films opératiques. On va plutôt glisser vers des thrillers Hollywood Night à la con, euh, mm -hmm. avec, du, avec du sexe moite, les films de. Adrian Lynn et compagnie, où il y aura le veau Michael Douglas euh, qui va emmancher en, en euh, une nouvelle Jol Donzel, et ça va être plutôt ce, ce genre de mécanisme rotor, on va dire, plutôt que vraiment des polars pur jus. Et euh, vraiment, et en plus, on en parlait en termes de mise en scène, là c'est vraiment baroque, et c'est un truc mmh. qu'Abel Ferrara, à l'époque, ne faisait pas beaucoup. En, en fait, on, on, on délaisse Ferrara, il me semble, délaisse toute psychologie des personnages. Ce que tu dis, voilà, on n'est plus du tout dans le thriller euh, ou dans le polar euh, psychologique. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus abstrait, en fait. En effet, c'est ça, c'est ça. La... Il me semble que c'est la première grille de lecture ou une des grilles de lecture pour entrer dans ce, dans cette... dans ce film d'une beauté bouleversante. Justine. Moi, je trou... euh, alors, je vous rejoins totalement dans le fait que je pense que La Ferrara il rejoue le polar à sa façon, et je pense qu'il enlève une couche de romantisme. En fait, là, on a affaire vraiment à quelque chose de beaucoup plus frontal qui est un bal des vampires. Et le plus vampire d'entre tous, c'est Frank White, qui, dès qu'il sort de prison, est déjà mort. Donc, il va retourner euh, à la case départ, on va dire, ou reprendre ses affaires sur une ville qu'il a contribué à bâtir avec la pègre. Mais en fait, cette pègre-là est déjà sur un délitement progressif où tout, tout, est en train de se perdre, tout est en train de mourir. Et le personnage de Frank White est déjà mort. En fait, on le voit euh, corporellement parce que donc euh, il est extrêmement livide. Euh, euh, aucune âme ne passe à travers lui si ce n'est qu'à certains moments il y a des fulgurances de vie qui sont à peu près les seules euh, bon, dans le danse, film, exactement où il danse et où il sourit, mais il sourit toujours de façon machiavélique Parce que il, a, Christopher il a la mort a, en lui a aussi, on dirait, cette manière de jouer et cette manière de bouger qui est, qui est... Extrêmement bizarre, c'est pour ça aussi qu'un mec comme Tim Burton l'a fait jouer dans la légende du cavalier sans tête, où il est souvent utilisé justement pour jouer des mecs un peu chelous, un peu blafards, un peu étranges. Parce que on voit qu'il déborde de vie les moments où il bouge, justement où il danse, où il est, où il est hyper gracieux, c'est un excellent danseur, mais son visage montre exactement l'inverse. Et je pense que c'est ça que Ferrara a cherché à, à faire, c'est vraiment montrer. Que la mort du personnage est déjà là dès le début, pour en fait l'achever, sans spoiler, mais voilà, l'achever à la fin et le crucifier en fait véritablement à l'écran tout à la fin. Mais tout au long du film, euh, euh, Frank White Walken est mort en fait on a juste un spectre, un fantôme qui passe, qui est parfois poussé par des élans euh, fulgurants de vie, de vitalité, mais qui euh, ne considère que euh, son, son être comme la mort et la mort de tout ce qui l'entoure. Et moi je pense que ce qui m'a vraiment... Euh ce qui m'a vraiment donné accès à cette grille de lecture très vite dans le film c'est que au tout début il y a Nosferatu qui est projeté. Je pense que ça c'est pas laissé au hasard. Le fait qu'en fait on est déjà à l'écran le fantôme mais qu'en fait on a un autre fantôme qui est celui qui regarde et qui est Frank White qui est complètement mort à l'intérieur. C'est vrai que Ferrara, il, il a travaillé quand même le cinéma de genre, avec sa, sa, sa lecture de, du, du mythe du, du Body Snatchers, ou avec The Addiction. Un film qui fait en 93. Hein. Ou, ou avec The Addiction, mais alors des films beaucoup plus frontaux dans leur représentation du, euh, de cette figure du genre. Mais en fait, je te rejoins la Justine, complètement sur cette. Il travaille euh, de manière totalement indicible, de manière euh, totalement implicite, cette figure du, euh, du vampire qui qui a bouffé cette ville, qui l'a sucé jusqu'à la moelle, et au final, il ben, y a tellement plus rien à sucer qu'au final, eh ben, on va, comme tu dis, on va gli lentement glisser vers une mort qui est irrémédiable, qui est... Euh, de toute façon, la mort va arriver à littéralement tous les personnages. Il n'y a plus per y a personne qui a à sauver. Et là se pose la grande question, c'est Ferrara ne sauve aucun personnage de, ce, de son film. Et du coup, c'est la grande question, est-ce que euh, The King of New York, est-ce que c'est un film moral quelle est la morale du film Est-ce qu'il y a une moralité euh, derrière euh, derrière ça Alors la morale, c'est pas forcément immoral. Alors la morale, elle est c'est compliqué parce que de morale dans King of New York, il y en a pas ou en fait, il y en a plus. C'est que les frontières entre le bien et le mal n'existent plus et en fait, cette figure c'est l'équivalent un petit peu de cette figure vampirique qui est une espèce d'entre-deux entre le monde des morts et le monde des vivants et c'est et le le, le projet vampirique du cinéma de genre se retrouve dans le corps littéralement du, euh, du film, avec ses, ses bien entendu avec ses ces malfrats pourrait-on dire, ces voyous, ces voyous qui sont très très voyous et avec ses flics qui sont plus très très flics. Bah oui. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on en arrive à des excès de, du coup, de violence de part et d'autre qui sont et admira et, admirablement filmés. Et des excès de mise en scène aussi, euh, en termes esthétiques. Il y a cette confrontation, euh, la nuit, presque sous la pluie, entre Wesley Snipes et puis Laurence Fishburne. qui, magnifique. justement, qui, en, en termes de style, était vraiment très différent des choses qu'il a fait avant, où c'était vraiment volontiers beaucoup plus crapoteux, alors que là, c'est vraiment, très esthétisé mais ça va aussi de toute façon je pense avec euh, avec New York qui à l'époque n'était plus du tout celle que le perso de Frank White a pu connaître dans les années 80 puisque c'est la fin du 12, c'est la fin euh, des grandes artères de rue euh, où il y aura les tripots de jeu où il y aura les putes tout ça ce qu'on voit dans la série de, de David Simon et de George Pelicano c'est donc The Douce que je vous encourage à voir justement sur la fin de cette artère de New York et de cette vie, vie new-yorkaise pour le moins interlope et, et dangereuse, on va dire, qu'on voit notamment bien évidemment dans le taxi driver de Martin Scorsese. Mais du coup, le, le New York de la fin des, des années 80 et du début des années 90 n'est plus tout le même parce que c'était vraiment un grand chambardement, la ville a été gentrifiée à pleine balle, elle a été morte. Et euh, Ferrara est revenu souvent sur à dire, cette problématique de la ville dans ses, dans ses films et dans ses documentaires, parce que lui... Il a tourné je pense la, les, les deux tiers de sa filmographie euh, à New York et notamment au début, au début des années 2000, donc où New York est marqué par l'ère euh, du règne de Rodolphe Giuliani euh, en tant que maire de New York. Il est beaucoup revenu dessus justement et à quel point ça a pu le travailler et, et ça a pu le marquer de voir en fait. Toute la vie new-yorkaise et ce monde interlope que lui a pu connaître dans les, dans les années 70 et les années 80, il n'y a pas forcément quelque chose qu'il a essayé de glorifier, mais qui en tout cas était une réalité dans laquelle lui vivait et dans un sacré paquet de, de New Yorkais vivait. Ce monde-là a totalement disparu pour qu'en fait, finalement, ça devienne presque une, une image d'épinal qui n'existe plus que grâce au cinéma. Oui. Et c'est pas que quelque chose qu'il essaye euh, de documenter ou de montrer. Mais sans le dire, juste en passant dans les artères de la ville. Où tu sens vraiment que, euh, ouais, comme tu dis, il filme un, un, pas un monde qui est en train de mourir, mais un monde qui est déjà mort. Mmh. C'est euh, un mort-vivant qui revient ouais. entre les tombes, comme disait Justine, ouais. pour voir peut-être un, un petit peu dans quel merdier le monde qu'il a quitté. Euh... Et il, y avait, et à présent. il y avait, je pense, dans, dans King of New York, il y avait quand même encore un, un, un reliquat de quelque chose qui pouvait encore vivre. parce un, que, truc un peu dangereux. Oui, exactement. Il y avait quand même quelque chose de palpable où on se dit à chaque fois, ah, il y a, il y a quand même des choses, il y a quand même des frottements qui s'opèrent à des moments, il y a quand même un peu de vie, même si cette vie, elle est gangrénée par la pègre, même si cette vie, elle est ségrégée de fait par, par l'État de New York dans les années 80. Mais je pense qu'en faisant... Euh, de, de Frank White, un personnage de mort-vivant qui sort de prison et qui arrive et qui ne peut que contempler en fait le désastre et le délitement de la ville. C'est aussi euh, dire à quel point il entraîne Frank White dans les enfers, lui étant mort déjà, dans les enfers et fait mourir une ville qui va devenir complètement quelque chose d'autre. Et je pense que c'est aussi ce, ce constat-là que que fait euh, Ferrara, c'est que cette ville qui a été comme ça à un moment ne sera plus du tout pareille, puisqu'elle va être complètement euh, édulcorée, il va y avoir, comme tu le dis, une, une gentrification une gentrification pardon énorme qui fait que il euh, a, même si elle subsistait un petit peu là il l'achève complètement par l'entremise de justement de ce personnage de frank white et de, ses, euh, et de, de ceux qui l'entraînent avec lui à savoir les flics en fait qui sont qui deviennent à un moment qui basculent vers euh, la pourriture eux aussi qui finissent par euh, mourir euh, comme des comme des fous, euh, tellement ils sont euh, ils sont matrixés en fait, ils sont euh, ils sont plus capables de de, de de donner un sens moral de bon en fait, il y a même plus de bon, il y a que le mal qui subsiste et c'est ce constat noir qui fait que le film vraiment je pense n'a de la vie que dans les moments de, de de fulgurances qui apparaissent sur le visage de Fishburne à certains moments, mais surtout celui de Walken. Oui, il y a notamment la scène du métro où il retrouve son ancienne maîtresse, euh, il commence à se ploter gentiment comme, comme feraient deux jeunes dans le métro, et là il y a euh, une bande de voyous qui arrive. Euh, les mecs ils veulent les braquer, et c'est là que Walken, qui a l'air excité comme tout d'un coup, il sort son flingue et il balance de la thune au mec en disant bah, le jour où toi tu viens un boulot, bah, tu reviens me voir. Et c'est dans ces moments dangereux en fait où lui il retrouve des pulsions de vie. Mais il y a quelque chose aussi, il y a un autre euh, détail dans le film, c'est qu'on veut faire passer Frank White pour étant le philanthrope qui va reconstruire l'hôpital pour les enfants. Mais finalement, lui dit, voilà, dans un an, deux ans, moi je me refais, euh, c'est bon, le projet, euh... exactement, je redeviens la vie, je redeviens euh, la prospérité, euh, le bien mais il le sait au fond de lui que c'est pas possible et du coup ce, de vouloir euh, le, le mettre comme ça dans une position de bienfaiteur je pense que c'est l'une des plus grandes provocations que Ferrara bah, qui a pu faire dans le film d'autant qu'en plus le perso de Frank White est plus ou moins euh, basé sur plusieurs personnes mafieux de New York à l'époque mmh. notamment en fin des années 80 début, début des années 90 il y avait ce qui est peut-être le dernier grand chef euh, mafieux euh, américain en, en tout cas de New York qui est John Gotti, mmh. qui euh, le mec était surpuissant, il avait des appuis stri strictement partout, et en même temps, en, en une des journaux, c'était marqué mmh. ennemi public numéro un, mais le mec était un bienfaiteur de la mairie, justement, qui construisait mmh. des écoles, des hôpitaux, et il tuait. Il... Des, hôpitaux. des hôpitaux. Des hôpitaux, oui, vous savez, c'est pas une science exacte non plus, hein. et donc. Euh, et, euh, et au passage, John Gotti en, 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 en profitait pour régler ses affaires euh, de manière euh, un peu cavalière, on va dire. Quelques balles dans la nuque et quelques mecs aux au pieds en béton qui sont balancés euh, dans l'Hudson, mais bon, ça c'est pas... Ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, donc c'est vraiment genre, un panachage, un panachage aussi, pardon eux de personnages réels, mais qui sont strictement utilisés pour en faire euh, une figure mythologique. Parce que la manière dont il est montré justement souvent, c'est quelqu'un qui aura l'ascendant. Il, il y a pas mal de scènes, notamment celle où il est, où il est confronté euh, au mafieux italo-américain, où lui, il se rencontre plongé, il va vraiment euh, euh, prendre l'ascendant sur eux. Et au fur et à mesure de la mise en scène du film, il y aura une, manière, une bascule de point de vue euh, sur, le, sur, le, sur le perso de Frank White. Après, il y, y, a, y a une phrase, il y a une ligne de dialogue qui, moi, me semble absolument merveilleuse, qui permet de resituer le film euh, en dehors de son anachronisme euh, des années 70 sur le chaos de, de civilisation, mais qui, qui l'ancre qui vraiment dans la fin des, dans les années 80 et la mort de cette décennie. C'est quand White dit euh, ⁇ Mais moi, je ne suis pas un dealer, je suis un professionnel mmh. ⁇ en gros. Et ça, c'est absolument, c'est absolument merveilleux. C'est très manien, justement. On pourrait se croire dans un film de Friedkin ou un film de de Michael Mann, en effet. <laughs> ou là, du coup, euh, Ferrara autre prov provocation quoi il dégage Walken de tout sens moral et de toute responsabilité morale par rapport au, au mal euh, au, au méfaits qu'il qu commet et qui dit mais non mais moi je suis moi je suis le je, moi je suis le rêve américain c'est ça l'Amérique c'est juste du business l'Amérique c'est un flingue de la drogue et de la, et du dollar c'est tout c'est basta et ça quel beau pays hein. non mais finalement le, le, ce, ce King of New York au-delà de des réflexions qu'on peut avoir sur, euh, sur cette notion de genre, ça reste quand même, il me semble, un, un grand film politique, mais en filigrane. Euh, Ferrara ne va pas faire de grandes démonstrations analytiques, ne va pas faire des grands discours. Non, c'est une ligne de dialogue qui nous permet de situer ça. Surtout et surtout plus, c'est la richesse, la précision du la scénario. La manière dont on parle comme ça, ça a l'air un peu austère, un peu dur. En fait, en plus, c'est un film qui dure 1h40, qui est, quand même, mmh. qui est bien tassé. C'est jamais chiant. Il y a un rythme incroyable. C'est vraiment. C'est un vrai plaisir en plus euh, à voir parce que. Que les acteurs sont tous à fond. Il y a des vraies scènes de fusillade. Il y a vraiment euh, un truc de film d'action, enfin, presque une volonté d'en faire un vrai film commercial. C'est-à-dire qu'un truc avec euh, des avec des peurs d'acteurs, des, des meufs trop bonnes, des flingues dans tous les sens et tout. Il y a vraiment. Ce un côté qui serait presque putassier, tellement, euh, bah tellement il va en montrer, dans le sens que lui aussi il peut faire des vrais films à l'américaine, des vrais films efficaces avec des pures scènes d'action, tout en laissant derrière un, un petit côté de caca dans la bouche et euh, une fin euh, hyper mélancolique est vraiment triste pour un mec qui est quand même un salopard fini ça c'est le, fi le génie de Ferrara et c'est peut-être pour ça que The King of New York est peut-être son plus grand film ah oui. je mets bien entendu peut-être hein, parce non, que non mais tu parlais de la de la de sa trinité euh, Bad Lieutenant nos funérailles bon là on est c'est cl clairement ces trois Bad Lieutenant a surtout une qualité incroyable euh, c'est clairement ces trois grands euh, films avec Etel en... et, mais, euh, et tout euh, de toute façon mais The King of New York c'est en ça qu'en fait c'est pour moi je considère que c'est peut-être son chef-d'œuvre parce que en effet il nous fait passer de manière sous-jacente un tel sentiment, tu dis, de pipi dans la bouche, que ça en est de totalement caca, admirable, oui. de caca, ouais. C'est vrai. Qui dit mieux le pipi, c'est délicieux, oui, le caca, c'est moins bon. Exactement. Mais euh, après, bah voilà, tu, en effet, le film est extrêmement bien tenu, euh, les racc le raccord de fin sur le, sur le flingue, putain, c'est absolument merveilleux. Le, le jeu de Walken, comme tu le disais, Justine, avec ses sourires... Quand il fait un pas de danse, tu vois qu'il a envie de s'amuser. Mais non, il faut quand même que tu restes cadré. Ou en fait, de toute façon, le corps de Christopher Walken, il c'est un livre qu'il faudrait écrire dessus. Et tu, voilà, tu, tu, ça te permet d'y croire. Ça te permet en plus d'avoir de la, de la, un peu de sympathie pour euh, Christopher Walken parce qu'il pue tellement le charisme. Le, le mec. Mais en fait, euh, bah non. Ah, sinon, c'est euh, difficile d'en si avoir. Si vous voulez vous amuser, malheureusement, il n'est pas sur le bois de Carlotta. Mais je vous recommande le commentaire audio de Abel Ferrara. Qui est alors que c'est même pas qu'il est on fire, mais c'est genre indécent que déjà le mec il est mort de rire parce qu'il est payé 5000 dollars pour faire le commentaire audio. Et après, visiblement, ça fait longtemps qu'il a pas vu son propre film, il est genre hyper content. Il fait Ah putain, mais il y a Steve Buscemi c'est trop cool, et, <laughs> et regardez-moi ça, Christopher Walken, comment il est content de tâter des nichons et tout. Ah c'est trop bien, c'est mortel. Le mec il est mort de rire tout le temps. T'as genre des mecs qui se font des dingues, il fait Ah, et pam pam, pam c'est trop bien, c'est trop bien et tout. <laughs> Bref. À l'époque, on savait oh, s'amuser. Oh, Et ouais. sinon, pour finir sur Abel Farah un documentaire qui date de 2001, je crois, ou un peu plus tard, qui s'appelle Ferrara, A Not Guilty qui suit notre ami Abel à l'époque où il n'avait pas encore enlevé son nez de la poudre en train de déambuler dans New York en jouant de la guitare. Alors, même si moi, je ne suis pas trop fan de Farah, tu peux quand même avouer que c'est euh, un sacré personnage. Hein. Il devait être très fatigant, mais euh, un sacré personnage. Hein. Donc, ben si maintenant, vous il est, à... est peut-être un peu moins. Il est au Périrondelle, il a arrêté la coque. Maintenant, il voilà, habite il... à Rome. Et, et maintenant, et il... il a des délires christiques dans ses euh... dernières voilà. films. C'est déjà un petit peu Man en matrice dans le... Maintenant, il, il, il habite à Rome. C'est le voisin de son nouveau meilleur copain depuis 20 ans, qui est Willem Dafoe. Ben oui. Et il passe son temps à faire des, des documentaires sur les mecs qui habitent sur la place en bas de chez lui. Super. Bah. Willem Dafoe qui, d'ailleurs, devait euh, jouer Frank mais qui n'était pas disponible puisque il était sur le score 16 la dernière tradition du Christ voilà oui je vois qui déjà dans la dernière tradition du Christ oui Jésus le Christ Harvey elle qui joue Judas c'est génial Judas avec un accent du bronzé la boucle est bouclée en fait voilà très bien mais qu'est-ce que c'est cohérent tout ça donc voilà on va s'arrêter là donc vous l'aurez compris c'est l'indispensable film de Abel Ferrara, The King of New York en français King of New York il y a un z qui s'est perdu dans la traduction, donc qui est ressorti dans une grosse édition chez Carlotta. On va passer pas vraiment à un tout autre genre, on va rester du côté du baroque et de la violence, mais on va partir cette fois dans la péninsule hongkongaise en écoutant un petit extrait de mon fleu, de mon cœur qui est une fleur, une rose, pardon, éternelle. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur syllabe et donc c'était une partie du casting de My Heart is Eternal Rose, donc avec la chanson éponyme chantée notamment par Joey Wong et Kenny Bee Donc ils sont les deux acteurs principaux de ce film de Patrick Taftan. Putain, c'est pas vrai, c'est incroyable. Franchement, on t'offre un bécherel parce Attends. que. Là. Euh, bref, acteurs principaux donc, du film de Patrick Tam. S'il vous plaît, arrêtez, vous dissipez. Donc, film de 1989. On a fait l'autre euh, entrée, nous. Qui est ressorti euh, cet été chez Spectrum Film dans une très belle édition. Euh, donc, qui contient une chier de bonus, notamment un excellent documentaire euh, qui date euh, du milieu des années 2000 de Yves Montmeyer euh, sur le chef opérateur Chris Doll, qui était notamment le chef opérateur des films de Wong Kar-wai euh, des années 90, mais aussi euh, un des deux chefs opérateurs de ce film-là de Patrick Tam. Donc, excellent documentaire. Chris Doll, on voit quand même qu'il est un peu fou, fou on va dire, pour ne pas dire fou tout court. En tout cas, c'est une très très belle édition. Donc Patrick Tam, on n'avait jamais eu l'occasion, je crois, d'en parler dans cette émission, car ses films ne sont pas très bien distribués en France. Et Patrick Tam, comme notre ami Hutchhoyak ou Anui, dont nous allons parler dans les semaines à venir, ou alors Alex Cheung ou bien Kirk Kong fait partie des cinéastes de la nouvelle vague hongkongaise qui ont débarqué. Dans le milieu du cinéma, à la fin des années 70, début des années 80, lui en l'occurrence c'était en 1980 avec euh, The Sword, qui était, son, qui était son premier film, et après il en fera trois euh, ou quatre encore dans les années 80 jusqu'à celui-là, et notamment euh, en 1987 il fait un film qui s'appelle Final Victory, qui a été coécrit par Wong Kar Wai avec qui il va pas mal travailler par la suite, notamment en tant que monteur sur euh, les cendres du temps et nos années sauvages. Et euh, Wong Kar Wai considérait un petit peu Patrick Tam euh, comme son mentor, en tout cas comme quelqu'un qui l'avait vraiment mis euh, le pied à l'étrier euh, pour faire ses films. Et je trouve que cette veine Wong Kar Wai-esque, on va dire, en tout cas une certaine influence qu'a pu avoir euh, Patrick Tam sur le cinéma de Wong Kar Wai se retrouve dans ce film-là, donc My Heart Is That Eternal Rose, donc euh, film euh, polar, une histoire euh, d'amour qui va être se contrarier sur un jeune qui est amoureux d'une autre jeune, ils sont amoureux, sauf qu'un jour patatras, il y a un drame, il y a quelqu'un qui meurt par accident, il doit quitter Hong Kong. La meuf est obligée de se maquiller avec un gros méchant truand qui est par Sean Wyman. et donc lui il revient cinq ou six ans après, je crois. 6 ans, il revient donc à Hong Kong pour essayer de rechoper la reine du bal, mais évidemment ça n'a pas se passé comme prévu, d'autant qu'au milieu se met un homme de main incarné par le tout jeune, mais déjà. Hyper méga classe Leslie Chung euh, kawaii donc euh, qui est, qui est là et qui évidemment ça va être Tony un jeu langue. Hmm? Tony langue. Tony, pourquoi Leslie Chung oh là là mais c'est pas possible rien à voir Leslie Chung que j'aime beaucoup par ailleurs mais donc oui Tony Leung Kawai donc euh, qui, est, qui a aussi la méga classe hein, qui est peut-être l'acteur le plus classe oui. de tout Hong Kong avec Shou Fat euh, les débats sont ouverts et donc ça va être un genre de pas un triangle mais un quatuor euh, amoureux entre tous ces personnages et qui vont bien évidemment comme c'est Hong Kong se régler à coups de balles dans la nuque enfin de balles dans la tête comme dirait John Woo. Oui. Voilà. Donc, thibault vous avez découvert aussi ce film de Patrick Tam, ce film, ce très beau film qui partage à la fois des moments d'extrême violence et des moments de romance presque cheesy, intense. Oui, le... alors, deux le... réflexions euh, d'abord. Euh, première réflexion euh, que j'adresse directement à l'équipe de Spectrum Film comment vous faites pour euh, nous produire autant d'excellence. Merci à vous. Négotez des super copies en plus. Ouais, vraiment, merci à vous pour votre travail éditorial. Euh, on a besoin de vous. Et puis, euh, ce, que vous, ce que vous proposez, euh, franchement, euh, c'est à chaque fois du pur bonheur, du pur plaisir. Et du coup, du plaisir avec ce film-là, il y en a. Et du coup, seconde question, euh, comment tu peux mettre autant de cinoches en 1h27 Voilà, oui. c'est miraculeux. C'est ça l'effet plus... qui c'est de Hong Kong, c'est court parce qu'on n'a pas trop de moyens. Et parce... en même temps, on balance tout. Parce que, comme tu le disais, le, le film est une histoire, est un triangle quatuor amoureux, euh, doublé euh, d'une réflexion sur euh, l'héritage familial, euh, triplé de vrais moments euh, polars, euh, hardboil, bien vénère, notamment le fi ce final qui est dantesque le tout recouvert euh, d'une mélancolie euh, inouïe, euh, tragique et du coup absolument bouleversante et en même temps t'as du plaisir à voir tout ça, c'est incroyable ce film est de toute façon incroyable, de toute façon dès le générique du début avec ces moments un petit peu avec cette pop cantonaise et puis ces fleurs qui brûlent là, moi j'en pouvais déjà plus, <laughs> j'étais déjà absolument conquis et cette scène d'introduction avec les fluos de, de Chris Doyle euh, et ce jeu complètement débile où tu dois pousser un verre euh, sur le comptoir d'un bar, jeu qui me paraît plutôt rigolo à faire. Oui, moi aussi j'ai voilà. envie de le faire peut-être dangereux, mais... Euh... Mais direct en fait. <laughs> direct. Et puis c'est beau travelling là sur le comptoir du bar, enfin bon bref c'est magnifique. On, peut faire ça, là, on va engueuler Ouais je pense. Hein. <laughs> François Marquis. Ouais. François Kenland. Oui, on, on s'en ouais. 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 ouais, fout. Et, euh, et du coup... Euh, voilà, ce film-là euh, propose une multitude de genres avec des, des acteurs qui sont tous, moi je trouve, tous très performants. Euh, même si, bon, voilà, Tony Lung, euh, je préfère quand il a le costume trois pièces. Alors euh, que là, il porte ceintré. des là... chemises à fleurs et des costards un peu bon, mal taillés. Bref, bon, c'est la mode. Hein. Heureusement, il reste son regard. Donc, euh, Mais le film, en fait, arrive à. En plus, il arrive à naviguer en ce... entre ces différents genres d'une manière avec une certaine grâce, avec une élégance toute naturelle. Alors, des ellipses, euh, bien entendu, euh, il va y en avoir. Mais euh, voilà, il y a une telle maîtrise, en fait, des codes cinématographiques, de la mise en scène. Euh, avec des beaux mouvements de caméra et puis ces ex des excès de, de rage ou des excès de, de cheesy, euh, kitsch. Mais tout ça est tellement maîtrisé. Mais qu'on retrouve potes... de toute façon dans pas mal de films de, de l'époque, parce que bah peu oui, oui. la... c'est peut-être un an avant ou c'est la même année, c'est que John Woo il fait The Killer, qui est pareil, qui est comme qu euh... ouais, D'un tueur à gage qui tombe amoureux d'une ouais, meuf oui. qu'il a rendu aveugle ou on... pas. Il y, y, aura, y aura des grands moments de romantisme où là, ça va pas hésiter à en faire des caisses dans le mélo, dans les violons alliés à une violence hyper sèche et où des persos peuvent être désingués a euh, priori à n'importe quel moment C'est vrai il y a pas mal de balles ça, perdues ça, alors The Killer tout le monde le connaît et, et beaucoup de monde l'a vu et c'est vrai que ça fait un petit peu penser à ça ce mélange alors on n'est pas dans l'ultra-violence euh, à la John Woo non c'est moins opératique quand même. C voilà exactement c'est beaucoup moins opératique mais ça n'en reste pas moins euh, absolument, euh, absolument tragique et il y a un truc il y a quelque chose qui est très intéressant quand même c'est que on aurait pu croire que euh, ce soit les personnages masculins qui tiennent la dragée haute de ce film et alors que pas du tout non, le, est film, le, le film est vraiment principale. centré sur le personnage de Lap Du coup il y a une espèce de retournement de, des codes un petit peu virilistes du polar qui, qui sont très très agréables. Ouais, parce que finalement ça va être juste être euh, trois personnages, donc euh, celui de Tony Lung, celui de Kenny B et celui de chain Weinman qui en fait tournent autour de la gonzesse mmh. Ils ont chacun on va dire euh, des motivations différentes qui aperçoivent du fille évidemment c'est pour avoir le pouvoir. Et puis l'ascendant euh, sur l'App, il euh, y aura son, on va dire, son ancien amour qui avait disparu, et son nouvel amour euh, qui est contrariant, on va dire, qui est le perso de Tony Lung, euh, qui lui est un homme de main, donc euh, à la solde du mafieux, mais en même temps il est amoureux, il sait pas. C'est un romantique Tony Lung. Mais ce qui est, ce qui est euh, ouf, c'est que euh, par exemple, par rapport au, au triangle amoureux. On va exclure le, le grand chef mafieux, le triangle amoureux. Donc on aurait pu croire que il y aurait pu y avoir euh, des profusions de sentiments et compagnie. Non, le truc il est réglé en deux minutes, mmh. euh, une scène, deux minutes. Ah ouais, mais finalement on est potes. Et puis quand il se barre, oh non mais on va y retourner. Et puis on va tout dézinguer. Putain, c'est merveilleux, c'est incroyable. Il y a une économie de moyens et du coup ça rend le film absolument viscéral et ça c'est passionnant ça pour le coup ça se rapproche quand même pas mal des films de chevalerie euh, de la showbuzzer ou tout ça où en général t'as toujours genre genre deux mecs qui vont se battre t'as une meuf au milieu et puis après en fait ils vont devenir copains, voire un peu plus que copains, et la meuf sera mise un peu de côté parce que quand même c'est quand même plus cool d'être entre couilles pour aller tuer la gueule à des mecs et de se et de se mettre de l'huile sur le corps. Mais ça c'est les films de chevalerie qui du coup avec le polar dans les années 80 a été réactualisé pour en faire justement pour un moins deux, on va dire ce virilisme homosexuel sous-jacent, voire parfois carrément pas du tout sous-jacent, mais, euh, mais mais il y a une vraie gay derrière. Dans, dans le milieu du polar ça a été justement on va dire pas remis au goût du jour, mais euh, avec une une modernité, on va dire. Mais c est, c est, en fait, c'est vraiment le témoin d'une vraie humanité, mais c'est pareil que The King of New York. Le problème de cette humanité, c'est qu'elle est, qu est vouée à perte et que tu, tu sens très bien que ça va mal se finir au, au, au bout d'un moment. Et c'est ça qui est absolument tragique. Les histoires d'amour finissent mal en général. Et ben là, c'est totalement cas. Dans une scène finale, euh, que moi, pas vu, j'avais pas vu venir une telle violence une telle radicalité dans le... Dans le traitement où le, là, Patrick Tam il a, il a rien à foutre et il lâche les hémoglobines. C'est euh, assez sidérant parce qu'on aurait pu tenter que euh, les personnages puissent euh, un petit peu s'accrocher à quelque chose. et eh ben non, c'est what the fuck, on y va et on désingue tout. Et puis, quitte à perdre la vie, de toute façon, euh, finalement, on est, des, on est déjà tous morts. En fait, c'est un petit peu ce que dit euh, L'âme et, et Ferra, finalement, ont un petit peu euh, quelque chose en commun dans ce côté euh, la vie vaut le coup d'être vécue, mais en fait, euh, fuck, quoi. D'autant qu'on en a, qu on a, qu on a, qu on a pas mal parlé sur tous les films hongkongais qu'on a pu faire. De toute façon, à partir du milieu et de la fin des années 80, il y a ce spectre qui arrive, qui ouais, savent qu va arriver, se qui est la rétrocession. À Hong Kong euh, en 1997, qui en tout le cinéma hongkongais de toutes les années 90 et de la fin euh, des années 80. On sent qu'il y a justement ce, ce, ce grand monstre qui arrive. Euh, on quitte un merdier, euh, un merdier de colons, pour euh, retourner dans le giro entre guillemets de la mère patrie. Mais euh, il sait à aucun moment à quelle sauce ils vont être bouffés. Et c'est, ce, je pense, participe à tout ce côté tragique des films hongkongais de l'époque. Et pas seulement les polars, mais il y a vraiment ce côté euh, justement de fin du monde qui arrive. Et, et qu'est-ce qu'on peut faire avant la fin du monde Eh bon, on peut mourir. Voilà. Parce qu'en fait, si ils, ils essayent de partir. Il y a une tentative d'exil. En fait, il y a une vraie tentative d'exil. Mais le retour à Hong Kong, il est viscéral. Il est beaucoup plus profond. Il est ancré dans le corps et dans le cœur des personnages. Et en fait, c'est, il n'y a plus que ça à faire. En fait, c'est vivre, vivre et mourir à Hong Kong. Et ça, c'est, c'est absolument terrible. To live and let die in Hong Kong. Bah oui, mais c'est, ça qui est fou, quoi. C'est que, on est dans une, un vrai beau film, formellement. Euh, je parlais du scénariste Nicolas St. John pour, euh, pour Ferrara. Il me semble que le travail de Chris Doyle, pareil, c'est quelque chose qui. Qui n'était qu'un des deux chefs-op sur le film. Mais il faut, il, faut, il faut écrire des papiers sur. Euh, alors il y a le documentaire hein, qui, qui permet de le mettre un, un petit peu en lumière, mais quel fantastique chef opérateur. Euh, voilà. Film des Néons, comme lui, avec un aspect un petit peu laiteux. Là, c'est absolument magnifique. Les, les personnages, en plus, les méchants sont assez bien caractérisés, avec des jeux d'ombre sur les visages. Là, mmh. Tout ça, c'est parfait. Enfin, je veux dire, en 30 secondes, un plan, euh, un raccord, et hop, emballé, c'est pesé. Et il y a une vraie. Ah, si, y a un truc qui est super cool. C'est la vraie géométrie, euh, la, la chorégraphie des personnages dans les décors, des jeux de focal qui sont complètement dingo avec, une, avec des jeux sur les profondeurs de champ qui sont oufissimes et en fait c'est pour ça qu'on s'ennuie pas dans ce film là c'est qu'il y a des espèces il y a des artifices euh, des éléments de décor qui vont se retrouver d'ici de là les, les personnages partent et puis, re, et puis reviennent par exemple il y a une scène dans le restaurant où, euh, voilà, où les personnages n'arrivent pas au bon moment mais du coup ça fait une chorégraphie qui est absolument magnifique du coup tu, tu sens vraiment le sens tragique des relations entre les personnages et tout ça c'est fait en 1 minute 30. C'est merveilleux. Et une scène de karaoké aussi, magnifique. Et une scène de karaoké magnifique dans une superbe robe jaune avec l'actrice qui dit je ne sais pas chanter, elle te chante une chanson absolument bouleversante avec des ralentis euh, kitschissimes mais du coup extrêmement bien tenus et du coup tr très très beau. C'est magnifique. Et avec... Euh... Non, c'est un film absolument incroyable. 1h27, ça pue le cinéma dans tous les sens, c'est incroyable. Donc voilà, vous l'aurez compris, nous vous recommandons chaudement le film de Patrick Tam qui vient de ressortir chez Spectrum Film dans combo DVD Blu-ray, donc My Heart is That Heart and a Rose. Donc voilà. Et de toute façon, on, on continuera à parler de quelques sorties de Spectrum oh ouais. Film euh, de cet été, puisqu'ils ont balancé la sauce quand même. Et il y a surtout pas mal de choses à qui vont sortir dans les mois et les semaines à venir, notamment dans un tout autre genre, les catégories 3 euh, hongkongais. Alors ça croyez-moi que ça. Ebola syndrome et... A Violent Story euh, ça va être du Anthony uh, fucking Wong uh, all the way et puis là on va s'amuser c'est un autre style mais, euh, ouais, mais bon, c'est indispensable c'est -ra ah ouais, indispensable euh, et voilà syndrome j'ai hâte parce que qu'est-ce qu'on va rire, rire donc euh, voilà on va s'arrêter là on va passer immédiatement au coup de cœur. c'est de la merde c'est de la merde oh, je, je voudrais que tout le monde s'imprègne c'est vraiment cette la plus grande merde des merdes les coups de cœur, Justine Alors, ça va être un livre de l'économiste Frédéric Lordon, qui s'appelle « le Figure du communisme », dans lequel il euh, désingue à la fois le capitalisme et il montre euh, par quels moyens euh, en fait, le capitalisme a tout tué. Et... Quelle est l'alternative à ça et La porte de sortie c'est le communisme. Et du coup, il va falloir réinventer des figures parce que le communisme a pas bonne presse. Et du coup, il va essayer de... Bon. Il va tenter de faire des choses qui sont parfois convaincantes et qui nous bousculent un petit peu dans des chemins de pensée qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et du coup, je trouve que c'est un livre hyper à la fois réconfortant mais qui fait un petit peu mal. Et euh, des fois un peu technique, mais ça se lit quand même bien, ça reste l'ordon. Donc voilà. Et deuxième énorme coup de cœur dans un tout autre genre, le retour des transmusicales de Rennes après deux ans. On avait hâte de passer décembre, un beau mois de décembre. Hein. Du premier au 5 et la programmation est sortie, c'est mortel comme d'habitude. Et comme d'habitude, on connaît pas la moitié des groupes. Mais euh... bon, donc on est voilà. trois pélo et puis on est content et le, le reste on va découvrir sur place. Donc voilà, on va pouvoir retourner dans des hangars trop grands, écouter de la musique très forte, forte, boire plein d'alcool et vous prendre de la drogue probablement. Voilà. voilà. Tout ça ensemble et ça fait un beau mélange. Voilà. Sinon, on fera comme Thibaut on ira dans les bars de Rennes. Non, malgré dire du coup, je suis allé au parc Expo. Laisse tomber. Ah bah... <laughs> et moi donc. hein et moi donc Tu m'en au doc ouais, euh, bah, J'essaie de sortir par la rentrée. Moi, ah, oui. moi j'étais abandonné de tous, perdu dans un hangar énorme à 5h du matin. Tu me souviens de rien bah, Moi je me souviens que le retour était très long, hein. c'était ouais. très difficile. Donc j'ai pas, moi je vais au trans une fois tous les 10 ans, ça me oh. suffit largement. Trop mieux pour ces conneries. Exactement. So Carrément, fleuret votre coup de cœur. Euh, coup de cœur, c'est une série documentaire de 4 films qui est disponible, je crois, encore pendant quelques temps. Mais je pense que ça va peut-être partir. Sur arte.tv. Ça va partir à la trappe, ouais. Donc sur arte.tv. Donc euh, 4 films sur la situation en Afghanistan euh, qui s'appelle Afghanistan, pays meurtri par la guerre. Voilà. Donc quatre euh, documentaires qui reviennent de on va dire des années 70 jusqu'à la situation actuelle. Enfin, actuelle il n'y a, a pas eu de mise à jour sur les derniers événements euh, des derniers mois. Mais ça nous ce sont des documentaires absolument colossaux, ouais. euh, avec des images d'archives absolument captivantes, des entretiens passionnants, euh, avec même des, euh, des envolées lyriques. Euh, dont on pourrait croire qu'elles ne sont pas à propos, mais en fait, totalement. Et puis surtout, il y a un aspect pédagogique c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est vraiment de la belle ouvrage documentaire. Donc je recommande chaudement de se connecter sur arte.tv et puis d'aller regarder ça. C'est passionnant on apprend plein de trucs. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et puis, quel pays résilient C'est à en pleurer. Et, et, je, oui, j'y pense parce qu'il y a quand même des fois des choses bien, visiblement, sur Arte. Et là, il y a encore La Flore de Mariano Linas qui passe jusqu'au 30 septembre, je crois. Donc, les 14 heures de film sont dispo en 4 films distincts. Et euh, j'encourage je, chaudement nos auditeurs à aller jeter un œil à ça. Tu as vu les 14 heures Oui, j'ai vu les 14 heures et je les ai presque revus euh, parce que je pense que c'est euh, l'un des plus beaux films qui ait jamais été fait et qui est, contient tout en lui. Voilà, c'est un film dantesque, il euh, y a tout. Eh bien, très bien, merci. Alors moi, pour rester sur le sujet de la bonne humeur et de l'Afghanistan, ça sera un documentaire un peu plus ancien qui date de 2002, d'un jeune français, le film s'appelle pardon, Afghanistan, La guerre pour de vrai, sur un jeune pélo qui, qui s'est décidé de quitter son travail à l'été pour partir en Afghanistan sur le théâtre des opérations. Donc au mois de novembre 2001, il suit... Je veux dire, pas une escarmouche, mais une bataille entre les talibans, l'Alliance du Nord et nos amis américains. Donc documentaire vraiment à chaud, pris sur le vif, avec un sacré paquet d'images qui ne réconforte pas beaucoup. Donc si vous avez le cœur bien accroché, si vous voulez voir des gens se faire exécuter et des charniers, et justement comment est-ce que l'Amérique a, a organisé cette bataille. Et cette guerre que, à l'époque naïfs qu'ils sont, ils pensaient euh, avoir gagné. Mais en tout cas, c'est un excellent documentaire, mais qui ne met pas foncièrement de bonne humeur. On va devoir euh, s'arrêter là. On reviendra la semaine prochaine pour parler notamment de Alex de L'Eglésia. Mais vous ne serez pas là, mais je serai avec euh, le docteur erwan et peut-être le grand Simon, euh, Simon le jeune, comme on dit, qui reviendra nous voir pour parler de films de vieux cul. Merci beaucoup à Valentin, à la technique. Euh, prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. bonsoir. Salut.